À la phase finale des élections françaises, les voix des électeurs se divisent en deux. Ceux qui vont voter pour Marine Le Pen et ceux pour Macron. Nous nous sommes rendus au consulat de la Villocre pour savoir le choix politique des citoyens français ici à Marrakech. Personnellement, j'ai voté pour Emmanuel Macron parce que je suis contre les extrêmes et contre les valeurs défendu par Marine Le Pen. Donc c'est vraiment pour Macron et contre les propos de Marine Le Pen que je me suis engagé. Macron. Je peux le dire, hein. Voilà. Bah, en vivant à Marrakech, si on vote Le Pen, c'est qu'on n'a rien à foutre ici, quoi. Voilà. Nous avons voté Macron, voilà, mon épouse et moi. On a voté Macron, évidemment. Évidemment, sans hésitation, hein. Sans hésitation. Ça, on verra. Eh ben, j'ai voté pour Macron. Ça vous surprend pas ici, hein, si on habite ici quand même. Hein? Oui, sans problème. Sans problème. Sans hésitation. J'ai voté Macron dès le premier tour. Et j'ai évidemment de nouveau voté Macron. Et j'espère bien que ce candidat va l'emporter. Ça, c'est difficile à dire, mais c'est sûr que je suis pour la tolérance, je suis pour l'ouverture au monde et je suis pour une forme de liberté dans le travail. Donc, le choix est assez facile. Le choix est assez très facile, même. Donc, vous le comprendrez tout de suite. Voilà.